Depuis plusieurs semaines maintenant, de nombreuses pharmacies sont touchées par ce qu'on appelle une pénurie de médicaments. Le phénomène n'est pas rare, mais cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les traitements spécifiques qui sont concernés, mais également ce qu'on appelle les médicaments courants. Regardez ce reportage de Johan Giametta d'Angelo, David Brunet et Romain Ripoteau. C'est la deuxième fois que cette patiente se rend chez sa pharmacienne pour venir récupérer son traitement contre les symptômes de la ménopause. Et à chaque fois, la réponse est la même. Il est toujours en rupture, le 10, le 5, le générique, là on n'a pas de réponse pour deux dates de retour. Médicaments d'origine en rupture de stock, tout comme l'équivalent générique. Pharmaciens et patients doivent user d'astuces pour pallier les problèmes d'approvisionnement. Toutes les ordonnances, on est obligé de chercher un autre générique, une autre formule, un autre dosage, de couper en deux les comprimés, enfin ça devient compliqué. En 2018, l'Agence nationale de sécurité du médicament a recensé 20 fois plus de signalements pour rupture de stock que 10 ans auparavant. Sont concernés des traitements spécifiques comme les chimiothérapies ou encore des médicaments plus courants, les antibiotiques ou les corticoïdes. Un problème de plus en plus récurrent, en partie lié à la délocalisation de la production. Souvent on a un ou deux sites mondiaux qui sont la plupart du temps loin de l'Europe. Plutôt en Asie. Et alors, on se dit pourquoi on ne fabrique pas en Europe? Parce que personne ne veut une usine chimique à côté de chez lui en Europe. Le gouvernement doit présenter en septembre un plan pour prévenir les futures pénuries de médicaments. Bonjour Gérard Raymond. Bonjour. Vous êtes président de France Assos Santé. Alors, on aimerait comprendre, faut-il parler de pénurie ou de rupture d'approvisionnement? Vous savez, quand vous avez aujourd'hui plus d'un Français sur quatre qui ne peut pas avoir son médicament, comme on vient de le voir, on peut parler de pénurie quand même. Et de tensions fortes sur l'approvisionnement de médicaments, que ce soit de médicaments de confort, mais aussi de médicaments beaucoup plus importants comme les chimiothérapies ou pour certaines maladies, Parkinson ou Alzheimer. Mais alors le blocage, il intervient où dans la chaîne de commandement? Ce sont les laboratoires les seuls responsables aujourd'hui? C'est là où effectivement le problème est complexe. Parce qu'effectivement, nous avons des fabricants, les industriels, qui aujourd'hui produisent au compte-gouttes pour ne pas avoir de stock ou pour d'autres raisons. Nous avons aussi des grossistes répartiteurs qui, eux aussi, peuvent avoir des tentations de délivrer des médicaments à des pays qui pourraient payer plus cher des médicaments les uns par rapport aux autres. Et donc on va vers le plus offrant, c'est ça le vrai problème aujourd'hui? La nuit, c'est qu'aujourd'hui, c'est au plus offrant. Et ce que nous disons, nous, c'est qu'effectivement, les médicaments ou les dispositifs médicaux, la distribution et le prix ne peuvent pas se faire à la corbeille de la bourse de New York ou de Paris ou de Londres, mais dans le cadre d'un règlement international qui doit respecter la santé et la vie de nos concitoyens. Mais là, quand même, ça devient un problème de santé publique, parce qu'il y a sans doute des risques pour certains patients qui ont des traitements urgents à prendre et répéter. Comment on fait pour établir des priorités? On est un peu dans le système des brouilles. Hein. Les pharmaciens cherchent des équivalences, les prescripteurs aussi. Les patients, évidemment, eux aussi, se renseignent et montrent leur défiance à ce système-là. Quant à, effectivement, les pouvoirs publics, eh bien, vous l'avez dit, Madame la ministre a annoncé un plan, un énième plan, parce que ce n'est pas la première fois qu'on essaie de contraindre les industriels à être beaucoup plus respectueux de la santé de l'ensemble. Que peut-on faire sur ce plan? Que pouvons-nous faire? Eh bien, je pense qu'il faut encore raffermir et durcir les préconisations qu'a fait Madame la ministre. Des préconisations et des sanctions sans véritable sanction, ce ne sont pas des recommandations, c'est simplement des vœux pieux ou de belles prières. Donc je crois qu'il faut renforcer les sanctions auprès des industriels qui ne respectent pas la règle du jeu, qui ne font pas des déclarations véritablement publiques des pénuries de médicaments. Il faut aussi renforcer la transparence dans toute la chaîne du médicament international. Je pense que aujourd'hui, et ma présence à votre studio le prouve bien, les patients, les associations de patients doivent être des acteurs aussi sur la transparence de la mise en œuvre du dispositif de distribution des médicaments. C'est la participation de l'ensemble des acteurs, c'est la transparence de cette chaîne du médicament qui doit être... Un dernier mot, quand on dit tous les médicaments sont concernés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on prend au quotidien, vous, moi, ibuprofène, paracétamol, il y a des pharmacies où on ne les trouve plus? Oui, bien sûr, ça peut arriver pendant un jour, deux jours, où certaines pharmacies ne sont pas approvisionnées. Donc ça oblige à faire le tour des pharmacies, Parfois, il faut faire le tour des pharmacies. Parfois, il faut faire le tour des régions. C'est ça que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas aujourd'hui, ou tout au moins
On a peur de comprendre aujourd'hui la stratégie des industriels et des grossistes répartiteurs qui vont peut-être parfois plus à ce qui est l'appel d'offres qu'une véritable vision sanitaire et solidaire de l'ensemble de nos concitoyens. Merci Gérard Raymond d'être venu nous éclairer sur cette question, même si on doit dire que vous ne nous avez pas franchement rassuré, mais on va devoir prendre son mal en patience, on l'a bien compris, jusqu'à l'établissement de ce plan. Donc. Mais bien sûr, il faut, et puis surtout, tenir la main aux professionnels de santé et au pouvoir public pour que ce plan ait évidemment un effet. Il y a aussi un problème qui a été dit par le pharmacien, c'est qu'aujourd'hui en Europe, on ne fait plus de molécules de base, et peut-être que on parle beaucoup d'Europe, on parle beaucoup de mondialisation. Il serait bon là aussi de revoir la politique de l'industrie du médicament en Europe. Merci beaucoup. On se retrouve très vite.